Raphaël Schellenberger. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, chers collègues. Vous avez dit, Madame la Ministre, dans votre propos introductif, qu'il s'agissait désormais de produire une énergie abondante, compétitive, décarbonée. Nous sommes tous mobilisés à cela. J'ajouterai disponible. Et c'est peut-être ce qui tranche avec les textes que vous avez présentés jusque-là, c'est que la solution du nucléaire, elle permet la disponibilité de l'électricité quand on en a besoin. Et c'est bien ça qui a été le problème que nous avons pu rencontrer cet hiver, c'est bien les défis auxquels nous aurons à faire face. Ce n'est pas seulement d'avoir de l'énergie quand on n'en a pas besoin, c'est d'en avoir tout le temps quand c'est nécessaire. Et face à la nécessité de relancer cette filière française, d'accélérer la construction de nouveaux moyens de production d'énergie décarbonée, nous voilà opposés la stratégie politique qui est toujours la même de la part des écologistes, de la part de l'extrême gauche, la peur. La peur, la peur, la peur. Parce que ça mobilise dans les urnes la peur. Parce que ça mobilise la peur. Mais ça n'apporte jamais de solution. Ça n'apporte jamais de solutions concrètes qui permettent de rebâtir une nation. Eh bien, face à la peur, nous préférons vous opposer la confiance dans la science, la confiance dans le travail, le contrôle de la technique, tout ce qui est permis par l'histoire de la filière nucléaire. L'histoire de la filière nucléaire qui est une histoire française, l'histoire de la filière nucléaire qui est une fierté française. Et derrière cette fierté française, il y a toujours eu le groupe Les Républicains et la volonté de doter notre nation d'un outil d'indépendance, d'un outil de souveraineté qui nous permet de nous projeter dans un siècle qui est celui du défi de la lutte contre le changement climatique, défi pour lequel nous aurons besoin d'infrastructures nombreuses, qu'il s'agisse de produire de l'énergie, de stocker de l'eau ou tout simplement de répondre à l'ensemble des besoins de nos concitoyens. Nous aurons besoin d'infrastructures et souvent nous nous retrouverons face à un groupe politique à gauche qui s'oppose à ce que les hommes puissent vivre dignes. Je vous remercie. Et nous avons...